Kabali, don't worry. I can talk. All right. Well, I need your attention. It's shared. It's just sharing. Okay, good. Pressing a few buttons. Okay. IG. Mm-hmm. Comment est? Ma femme. Ah, oui, ta, mais ma femme. She's funny, right? Okay, so, comment faire les IG? Ou à moi, les papas, bah, qu'on est. Comme si non artisme? Yeah. Ah, ben, c'est comme ça, moi, il est vraiment. Is it your real name? Yeah, c'est vraiment, moi. Yep. C'est vrai, non? Yup. Qui joue encore ces musiques? Qui l'a commencé musique? J'ai commencé musique, j'ai 6 ans. Haïti. Oh my god, that's crazy, man. Yep. J'ai 6 ans, j'ai chanté avec Sybille Denis qui était dans l'école musique. Et puis j'ai chanté Petit Papa Noël dans le spectacle fin d'année. Oh really? Yeah. Oh my god, I want to see the string. J'ai cherché depuis des années, beaucoup de jeunes. Et puis j'ai un solo, attention. Donc ça, c'est là, ça m'était qu'on aime terrain. Même musique, m'était envie de chanter. Après ça, m'était pour un cours de chant dans James Germain. Oh, nice. Yeah, là, m'était gain 8 ans. M'était, he was my guest the other day. Like, oh, nice. 2 weeks ago. Nice. Salut, James. Salut, James. C'est 4-7 ans. Parce que m'dit pas les gonçants, m'suis en France là maintenant, c'est pour ça. Oh, good. Oh, c'est ça que m'a dit dans la vie, because he's always watching the show. Yeah, donc... Tu prenais cours de chant avec James, après ça, j'étais dans le lycée, etc. J'ai fait spectacle. Et depuis l'école, j'ai fait spectacle. J'ai fait un seul année, j'ai raté. J'ai fait Emily Jolie, c'est moi qui étais Emily. Et puis après ça, mais vous connaissez, vous levez dans la société, ou bien en général, la société toujours dit que vous n'êtes pas artiste, artiste sont des choses difficiles, vous n'êtes pas faire. Donc, j'ai levé à concept ça, et puis le tremblement était fait. J'ai réalisé que. Ouais, pas ouais, n'importe ça, mon abdi, même si ça m'a vu fait. Mm-hmm. Donc, je me lançais dans la musique parallèlement à la musique. Je me lançais dans deux barrières en même temps, musique et puis études. Okay. Donc, pendant que j'ai étudié, j'ai tout commencé. Et premier album, moi, qui est l'Eskizo, qui sortit en 2012. Et nous avons lancé en Haïti, promotion en Haïti, etc. Après, ça me fait un deuxième en 2015, là, je finis l'étude, moi. Et qui est le No Heartbreak, qui est son EP, donc c'est un mini-album, 6 musiques. Et puis. Après ça, j'ai réalisé, ok, qu'on a besoin de faire des musiques qui est plus vibe, qui plus pour plaisir, pour prendre plaisir, parce que la musique qui a été faite jusqu'à présent, c'est des musiques qui sont mélodieuses, puis on va dire, des gens tristes, émotionnels. Mm-hmm. Et le public haïtien, son public qui aime prendre plaisir, soit on me dit, ok, qui j'aime faire la musique moi-même, qui comme qu'à jouer dans le pays, moi, comme qu'à jouer là, quand même. Moi. Donc c'est comme ça que je viens avec vous, Douze, Optima, et puis tout projet que je gagne avec Kounia. Yeah, good. Moi étudie hier soir un petit peu sur YouTube. Bon bagage. Et mon paquet de vidéos qu'on fait back in the days, et vidéos. Non, 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 non. I'm just facing you. Stay right. I know, but. Ah, okay. We need story. Stay here. You can still face me. Don't worry. Yeah. Because I'm facing right now. Okay. Et puis moi que où t'es vraiment atteint au niveau mondial international. Merci. Et pour qui vidéo à parler? Donc ils sont en production. You were like a Shakira things. Yeah, I mean, yo toujours dit, moi toujours dit moi faire songer Shakira et moi j'aime pas. I don't mind, I'll take it. yo il aime Haitian Shakira. OK baby, il aime que j'en voulais, pas de problème. Shakira m'a prend. Et bon, merci m'apprécie ça, ça veut dire niveau qualité à tes. Yeah, non, qualité image était extraordinaire et la musique était aussi extraordinaire et puis il y a eu beaucoup de danse, beaucoup de steps, mm-hmm. And it was good. Merci. Est-ce que tu avais signé avec une compagnie étrangère, internationale? Non, j'ai un label indépendant qui s'appelle Full Blast Production, c'est eux qui fait toutes vidéos etc. Nous avons un crédit, pas pour toutes vidéos, mais la majorité ou après. Et son label indépendant, dans le sens que c'est pas un gros maman Sony ATV, but c'est une équipe ça d'AM. Et bon bah là qu'on l'a bien indépendant comme ça, c'est que j'ai un pile et qui j'aimerais dire influence dans la décision artistique. Yo pas juste dire ok c'est ça cap single là, okay. Et puis dégager, okay. Ça veut dire j'ai un pile implication dans le créatif, hein, décision pas où, yeah, okay. Veut, non, nous prenons décision en tant que équipe, but j'ai un pile j'ai mon mot à dire, okay. J'ai un pile input, okay. non okay. Décision créative dans tout ça qui est créatif, okay. Donc ça sont boba, j'ai un pile chance dans ça. Et puis yeah, basically. So when you start, par exemple, lors commencer ou commencer par exemple, et puis moi il était vraiment c'est un combat international, je pensais que ou t'es dans le market plus ou moins, même sur le marché américain, mais le marché européen, où t'es, est-ce que... Et non, mais comment si tu étais tout? L'année commencé, je ne sais pas, bon, ça c'est cliché artiste là, mais
pas de cœur de tout bail ça, j'ai déjà fait la musique. OK. Donc j'ai déjà fait en anglais parce que c'est musique majorité musique moi t'attendais était en anglais, comme si dans le marché international, la musique en anglais, c'est elle qui a le plus grand public. Ah, définitivement, définitivement. Ça veut dire donc ou t'es japonaise, chinoise, arabe, n'importe quelle, si vous chantez en anglais, plus vous allez comprendre. Définitivement. Parce que l'anglais est arrivé sur tout le monde, dans tout pays. Donc, dans ce sens-là, je me suis réfléchi à faire musique, je sortais en anglais, je sortais en anglais, et puis, that's it. Après ça, je me réalisais que, ok, c'est pas comme si je t'avais essayé d'exclure des gens, ou bien retirer dans certains marchés, non, je me suis juste. Fais en anglais, je sortais en anglais, man. Okay. Après ça, deuxième, je me suis focus sur l'émotion, transmettre, etc. Encore une fois, je n'ai pas réfléchi qui langue, dans le sens que je voulais faire une langue spécifique. Il était juste soit en anglais, soit en anglais, m'écrit. Même si dans EPSA et No Heartbreak, tu as une musique qui était en français et en anglais. Okay. C'est la première fois que tu as fait un petit va-et-vient. Et puis, j'aime dire, l'amour, il vient à vous de Youdou, me dit, ok, qu'il y a anglais, pas anglais, ouais, pas ouais, il faut me jouer des bails que la carrière, carrément, qu'elle enjoy. Et puis, c'est juste comme ça, langage, je parle les quatre. Je parle créole, français, anglais, espagnol. Nice. Donc, on a toujours joué des commentaires sur Instagram. Oh, faut pas l'écrire le plus. C'est pas. On toujours pas l'écrire. Hein? Ici? Oui. On sorti de la chambre. Oh. même tes tournées là ou tes dîmes tournées? Ah non, ouais. Okay. C'est bon là? C'est bon. Non, comme si on parle les quatre langues. On peut choisir un jour m'écrire en anglais, en créole, en français, n'importe quelle saleté. Donc, m'pas bon, moi, si on pas venir réfléchir comme si. Ok, je dis, on peut l'écrire tel bagaille. À moi, like, je saute. Ça veut dire, si je connais de qui ça m'a parlé, je connais, ok, musique ça m'a parlé de ça, plutôt écrit tel genre, m'a écrit tel genre. Okay. Il y a des musiques qui sortent en français, en anglais. Bah, réfléchis ça, juste fais musique. Comment tu es inspiré? Comment placer tout pour inspirer? Ça dépend. Inspiration, il y a n'importe où. Mais tu as une phrase que c'est Pablo Picasso qui t'a dit ça. Mm-hmm. L'inspiration existe, mais il faut qu'elle vous trouve au travail. Ah oui, tout à fait. Ça veut dire, si je suis à avoir ton inspiration, il y a des gens qui font ça, oui, mais si je suis à avoir ton inspiration, non, ça, c'est quoi, la mauvaise inspiration. Ah oui, il voilà, y a mon rêve qui vaut la peine. Donc, toujours à essayer de travailler en avant, en avant, en avant, et puis après, poum, on y a une tête, etc. Il y a des fois, il prend plus de temps pour le rêve, malheureusement. Il prend de temps. Ou qu'on est aussi que l'inspiration est divine, ou qu'on a des phrases. Oui, divine inspiration, yeah. Yeah, so, maintenant, c'est à dessein que je me pose une question. Comment tu te prépares justement pour recevoir cette inspiration? Comment parce je me prépare, je ne m'arrête pas. Il y a une certaine préparation spirituelle et physique pour recevoir. Dans un sens, oui, mais c'est ça, c'est que pour moi, c'est juste pas camper, continuer le travail, continuer à écrire, continuer à chercher la joindre. Et moi, c'est puis bon, je me mettre, chercher la joindre. Si vous juste chita wapton, pas gagner qu'à faire. Mais là, on fait, là, créer une dynamique, un momentum. Ou pas le que c'est vini la vini. Yeah, no. Donc, moi, yeah. C'est ça, ces gens, si vous voulez, c'est qu'on s'en prépare. Après, ça, l'inspiration a vini sous toute forme, etc. Et, il y a des fois, pour musique spécifiquement, alors, il y a des fois, m'a écrit, boum, il y a un concept qui vient dans la tête. Moi, je me rive dans le studio, je me dis, mais ça me voulait écrire, je dis. Il y a des fois, je joue en beat, bon, moi, je me fous pour beat là, boum, musique là, vini. Ça dépend, mais ça me pite au fait, même le mal dans le studio, c'est, j'ai une idée, je me dis, producteur, ça me voulait faire. Et puis, nous, ils ont commencé à jouer à côté, mais puis nous commencé à dégager, nous, figure it out ensemble en même temps. C'est ça qui est plus belle parce que vous venez avec un bail qui juste pas de gagner. Yeah, no. Et puis, poum, vous créez, c'est juste magique. Tout à fait. Mab, dis-nous merci de ce que nous avons partagé live. Continuez à partager, please. Parce que nous avons besoin beaucoup plus de monde qui attendait, qui a regardé aussi sur live Facebook. Là. Merci beaucoup. Et puis, keep doing it. Listen. Production, ça y est, ancien production. Napstap à partir de Voodoo You Do. Okay. Voodoo You Do, c'est le premier type de production, je dis à la haïtienne. Ok, l'autre production, qui est-ce qui t'a fait? Et qui compte l'autre t'a fait? Miami. Miami. Et t'a fait moitié. Premier album, t'a fait moitié avec un père de producteurs espagnols et colombiennes, et qui est les You Are Music. Et puis de l'autre moitié, c'était avec un producteur argentin qui est José Luis Pagan. Okay. Et donc des producteurs latinos. Okay. Et puis No Heartbreak, c'était complètement avec You Are Music. Donc Rafa Vergara, Vicky Echeverry. Et puis, yeah, donc ces deux projets, ça y est, c'était. Nous avons deux mondes, si vous voulez, deux groupes pour première. Et puis deuxième, nous avons choisi une. Et puis
rete avè yo, paske nou just travay, nou te bien travay ansam, e mte reme aproche yo, yo te toujou ban mwen sa mtap chèche nan son an. Ok. E pi, ya, se sa, se de goup sa yo. José Luis Pagan, Your Music. Nice. Mwen wè, senateur, chèr ami, an ba lev la. Senateur, nou bezon nan chou, ha? Mde pran depute Caleb Deramo deja, mde pran senateur Jacques Sauvergeant, men ou men tout lanse l'invitation publikman pou ou la. Senateur, chèr ami, on a bezon de vous à ce show, le Top Groove, ki passe du lundi au vendredi, entre 10h jusqu'à midi. So, na pral pale. Ok, laisse-moi te dire, so, lò fin fè avèk produkteur étranger sa yo, fin fè müzik sa yo, kèst ke tu te di, eske ou estime ke yo pa vreman rive sou Haïti ou bien sou marché haïtien, et puis tu te di par exemple, il me faut par exemple un producteur haïtien? Pa vreman, sa jom di yo, se ke mte fin fè IPA, artiste égoïste non sens. Ça veut dire que deux gens font musique, c'est soit faire musique pour essayer faire hit, soit faire musique pour tête ou parce que gagner bail pour dire. Tout à fait. Ça veut dire. Et donc projet EP, premier EP, premier album non, c'était just exploration, enjoy by bon musique, découvrir, on va dire. Deuxième non, c'était très selfish, j'étais gagner bail, j'étais besoin d'exprimer, j'étais juste besoin de mettre au dehors en tant que et musique. Et puis là, je fin fait ça, je me dis tout à l'heure et me réaliser musique un petit genre slow, un petit genre dramatique, pas dramatique, but like c'est des ballades etc., power ballads. Public haïtien pas gagne un gros public pour ça et c'était ça en Haïti me t'arrêté. Donc m'a fait musique que me pas ca jouer là quand même. Li tant petit genre problématique. Of course, en tant que artiste ouvre sous stage. Donc me réfléchir femme font gens pour me faire musique que moun carrément là quand même. Ça pas de vlédi, m'ta réfléchi fòm gen producteur haïtien. Ça just te vlédi que non, approche moi fòm fon jan pou ba yo jouable la kay la. Définitivement. Kounya en même temps que m'ta réfléchi ça, m'te vin et m'te filmé et vidéo Rise and Fall qui était dans EP No Heartbreak là. Okay. M'te filmé ak Ed Muska Group, yo te aide nous pour okay. Tout ça qui logistique, yeah. Production etc. Et donc m'te kon moun Muska yo et l'homme te fin fait transition ça a dit OK, kounya fòm fè musique que m'ka jouer la kay parce que m'te lagué album nan. Sous toute réseau tout, toute plateforme yo but m'te réalisé que m'pa ka vraiment faire en tournée en Haïti parce que m'ka fait peut-être 2-3 dates maximum parce que public là pour style de musique ça a pas de fin trop large. Donc c'est ça, yeah, c'est ça qui fait me réaliser que kounya faut commencer à réfléchir pour ça ka vinn derrière que m'ka jouer la caille là. Et donc j'aime te dire m'te con monsieur Muscayo et pendant m'ta réfléchi transition ça yo introduit à Pipo Beat. OK. Et dit OK on essaye on travaille on fait on voit ça ka à qui ça ka come up venir nous tande quelques musique montrer qui ça me t'aime faire me dit OK mec qui style de musique me tapito bla bla et puis bâton chocolat nous écrit vous nice. moi mon consultant là qui est Serge Dex monsieur qui a des questions qui yes. Intéressant que je vois Serge Dex c'est notre consultant yes monsieur dit est-ce qu'il pas pensé que trop style dans un album capable égarer public là qui pas joindre yon ligne pour les suivre. Ou konn bay depuis me commencer musique moun toujours a dit me faut coller non gen bay faut faire un tel bay faut joindre style pas et puis ou rit là dans mais pas d'accord. Okay. En tant que artiste me juste penser que moi j'aime créer, moi j'aime explorer et n'importe moun qui aime sous stage après que nan gros event alors après que me son moun qui aime et keep it fresh. Ça veut dire si me gen un event taraz et on dit si m'gen deux event taraz m'pap pour des event différents m'pap vle bay même show okay. À moins que m'ap vini ak nouvelle musique ça ou ça m'ap di on dit m'ap fè voulu douze aptima m'pap vle bay même show okay. Parce que m'vle public la rete intéressé donc album k'ap vini a c'est pas différents styles pa vle di comme si pa gen un fil conducteur en ligne exactement ça pa vle di just guy gen en ligne gen évolution qui fait. Et moi depuis What Do You Do me commencer ça veut dire non c'est pas vrai No Heartbreak c'est important pour moi but depuis No Heartbreak What Do You Do ouais me commencer à affiner comme si filtrer ba un petit en plus pour projet qui va venir je mettre c'est j'en plus simple que je pour mettre c'est m'a gagne même ingrédients m'a faire recette différent okay. Mais même si majorité après en créole majorité musique après en créole on va dire quatre choses. Parce que c'est pour Haïti m'a fait surtout okay. C'est pour un public plus okay. Plutôt haïtien but m'ai toujours dit m'pa vle exclu l'autre et oh, l'autre public yeah, donc non. Et m'a fait dans style pam et musique là en créole si musique par exemple si musique là en créole beat langue doit pi international si et musique là très haïtienne li doit gagner anglais là dans le genre voulu ou de télé ou ça m'a dit donc c'est même ingrédient yo
ou bien créole, ou bien langage, rythme, mélodie, son. Et puis, je vais mélanger, ok. Et langage anglais, son, créole. Ou bien son international, langage créole. Ouais, ça m'a dit. C'est. Faut prendre le style Haïti PIA par Haïti. C'est mon interprétation de culture. Nous, yeah, de ça moins aimé, ça moins voulait mettre en valeur, ça voulait nous montrer le monde. Et puis, juste, il faut que y ait une phrase comme il y a une musique qui dit prends un vibe local, fais l'international. Yeah. C'est ça qui est l'idée. Non, mais c'est ça. C'est ça que, pas veut dire blanc, mais c'est ça que l'autre nation a cherché, justement. Un vibe local. Et puis, ou fait l'international. Justement, qui est accessible. Et même... quoi, c'est ça qui couleur, qui style, là, si vous voulez. Tout à fait. Eric Carré fait du. Et n'a pas comparé ça, dit. Bon, ça dit. Eric Carré dit, n'a pas comparé ça, dit à un restaurant. Ou prend ça, vous voulez la donne. Et. Son restaurant. Yes. Non, c'est le produit. Le produit, ce que tu fais, est un restaurant. Ou prend ça, vous voulez, dans un moment, selon Moudou, yeah. Selon l'ambiance là. Yeah. Ok, good. Yeah, que... Vous avez le quoi ça? Yeah, yeah, sure. Pas de problème pour ça. Ok, laisse-moi le dire encore une fois. Tu pas signé avec aucun label? Yeah, on a un indépendant Beefles. Ok, qui est-ce lié? Il est basé Miami. Est-ce que ou même de façon personnelle ou enregistré dans compagnie de royalties? BMI. BMI. Ok. Qu'est-ce qu'a collecté fonds pour? BMI. Tu n'as pas d'éditeur? Non, pas d'éditeur. Ça, c'est ça le problème. Non. Beaucoup gagne d'éditeur. Tu sais que, par exemple, que gon bureau qui est le BHDA ici, pas vrai? Non. Yeah. Li effectif à partir du mois d'octobre là. Oh, wow. Yeah. Tira, tu connais Tira? Le nom. Yeah. Ou pas pratiquer Tira? Tira hein? Ou Léon Junior? Tu n'as pas pratiqué? Oui, si. Et pour Noël en bas étoile. Yeah. Yeah. So, Tira, c'est un acteur, mouvement ça, avec Madame Kelly et Emily Prophète. Dans 6 mois, il y a des gens, par exemple, il y a des artistes qui auront à récolter le fruit de leurs travaux, bien sûr. Mais il faudra, par exemple, que mon artiste aille dans le bureau, à l'enregistrer tête d'abord, et puis que sa musique devienne des hits. Donc, c'est son une maison d'édition, mais en Haïti. Tout à fait. Bon, bagaille. Et la mais la récolte est par rapport à Radio Haïtienne ou bien juste par rapport à Radio Haïtienne ça va commencer d'abord par les radios et la télévision. Okay. Avec la musique diffusée dans les clubs ne seront pas incluses. Bon. Oui, ça c'est plus compliqué. Yeah, c'est beaucoup plus compliqué, mais l'avenir quand même. Bon, bagaille. Ils vont commencer par les radios et la télévision. Waouh. Ça veut dire que tu as supposé, en tant qu'artiste, en tant que monde qui a une œuvre et qui a joué dans la télévision et la radio. Nice. À l'Oyo, et puis enregistrer tout, et puis prendre les informations. Qui j'en dis le relais pour m'écrire, pour ne pas oublier. BHDA. Bureau haïtien des droits d'auteur. BHDA. BHDA. Yeah, BHDA. Yeah, man. Ok, Bert Oni Adrien, qui fait du là. Une belle question. Na qui Pigosen li jouait déjà, et est-ce que tu es un pile haïtien? Pourquoi Pigosen, moi, c'était en Haïti jusqu'à présent? Et dans sens quantité alors tu joué New Morning Paris et but c'est pas une énorme salle parce que c'est une pièce et une salle reconnue mais une quoi plus gros stage moi c'était en Haïti il y a deux événements qui vraiment t'ont marqué carrière moi si vous voulez c'est Sean Paul en 2012 j'ai chanté l'hymne national juste avant Sean Paul monter stage là j'ai fait commencer et je me sens j'étais tellement stressé pour me chanter l'hymne national devant pile paquet moun nan et canne à sucre et parc de la canne à sucre et puis just fait comme tes sous stage juste avant Sean Paul comme si ça était just ouf c'était un gros bel honneur m'a chanté l'hymne national là et dans le contexte ça et puis deuxième nom c'était le concert Jay Perry parce que c'est pas même dans le sens de non moun qui était là c'est crowd là, Jean crowd là t'es juste vini pour y avoir plaisir. En Haïti, m'kadjo toujours gagne un sec nèg qui campe. Dabang, attendi. Yo campe comme ça et puis ou met taper c'est interagir avec yo dit yo loose n'a yo quand c'est crazy. Et puis malheureusement, comme si en tant qu'artiste, comme nous c'est des perfectionnistes, toujours à focus sur ça, yo qui juste pas vle pour plaisir. You're like, what? Pour y sortir là.
But et dans le concert pas de on grain de monde comme ça tout le monde est venu pour prendre plaisir pas même monter sur stage là pour me dire rien mon yo après en moi yo ni quoi attendez et Zepti m'a commencé logo apparaître sur stage là mon après les me saisir femme du avant monter sur stage là tu gagne mon à côté me quoi freedom qui t'a fait saut passer et puis et comme si on était stressé et puis me regarde monsieur et puis logo me paraît et puis just got it and just like oh wow mon après l'aime déjà mais me dit ouais mec comme non non yo just got it l'aime ouais et puis m'était fait un show spécial tout pour le concert qui était bien recevoir comme si l'était just une belle expérience donc quoi pour le moment le concert et m'pas calculer en termes de combien monde qui était là c'est mm-hmm. juste qualité événement yeah, sure. The vibe like yeah. exactement ou dit qu'aussi un avec BMI mm-hmm. Depuis que la première musique est sortie 2012 mais bah, BMI c'est là où on enregistrait tête ou ça veut dire c'est pas yo qui vient signer non pas du tout et yo pas vient signer c'est vous-même qui pouvez ouais, c'est vous qui allez enregistrer tête ou et première musique est sortie en 2012 même pas bon mais si encore une fois t'es un vieux cliché artiste ça que ooh I just want to make music so me pas vraiment faire attention à tout ça et aussi l'homme commencé l'homme là deuxième EP que t'es allé enregistrer dans BMI ok etc. good ça veut dire que bagage ça vient important pour yeah bon pour tout artiste c'est supposé important seul bagage c'est que son aspect business c'est pas tout artiste qui ouais et musique là comme un business rien plus le monde qui juste veut faire musique et ok bah là comme ça pas un monde qui veut gérer business ou non chose ça nous surtout insister sur le débat ça parce que il faut que les artistes sachent pertinemment que l'aspect business dans la musique qui a fait aller important yeah. pour après en vingtaine d'années il va camper sous des mains des volumes yeah. moi je suis pas malade et puis c'est marathon qui c'est pour ça un peu le monde toujours dit il va vivre dans HMI non sens que un peu le monde dit il va vivre dans industrie musique en Haïti mm-hmm. il y a artistes donc communauté artistes cap gourmet artistes producteurs cap gourmet etc mais pas dans HMI parce que pas une structure pour venir vraiment faire business là oui mais pendant qu'il y a pas de structure je vous garantis par exemple que gen million k'ap fèt la. Non, ou pa kite m di fin sa m'tan pa di a, se ke normalman, tout artist k'ap mene an Haiti, y'ap mene, poutèt yo gen following, e paske yo jwen kontra nan men sponsor. Tout a fè. Men normalman, ou suppose ap fè kob sou muzik k'ap jwen nan radio, sou televizyon, etc. Donc, j'en di, yo pa suppose kob sou delman y'ap mande ou liv, yo ta suppose ou mwen, menm si ou pa on gros moment artiste ou bien ou juste un producteur ou t'as supposé à faire comme tout ça au produit mm-hmm. t'as supposé chaque fois yo jouer telle musique et ou connaissez ou produit ou get tant pourcentage sur lui chaque fois ça a joué ou a touché un tel cob comme ça ou connaît comme ça ou capé bilou tout à fait but ici libre au fait non